des choix, parce que des fois, ils chevauchent. C'est bien, tu peux parler. Ah ouais, c'est ça. J'ai pas pu attendre. Un beau déjà support. Dédicacé. Ouais. Ouais. Il était en la rue, je me suis dit, non, c'est le bon moment. On va commencer cette rencontre. Bienvenue à toutes et à tous à la boutique Potemkin. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas notre lieu, donc voilà, c'est ça, c'est un rappel qui vous inclut. Donc nous sommes une boutique qui existe depuis une douzaine d'années. On essaie de rassembler des DVD du cinéma contemporain, mais aussi du patrimoine. On a cet espace-là de la boutique qui est aussi un café, un lieu où il y a des livres aussi autour du cinéma, des vinyles. Et on est également éditeur de DVD. Donc parmi la maison Potemkin Film a édité son premier DVD il y a une douzaine d'années avec Requiem pour un massacre, d'Elem Klimov, du cinéma russe, mais pas que. Il y a eu les coffrets Werner Herzog, Epstein. Beaucoup de choses. Là, récemment, les Rivettes aussi. Un film de Lumet dernièrement, coffret Canoun de Kiarostami. Aucun film à moi. Qu'est-ce que je fais là? Et non, bientôt Maigret de Patrick. Non, Maigret, non. Qu'on va bientôt avoir en DVD là, fin juin. Donc voilà. Et donc régulièrement, on fait venir des réalisateurs, des critiques, parfois des comédiens, des écrivains. On profite d'une actualité DVD et puis c'est un petit prétexte pour venir parler, pour inviter des gens qu'on n'a pas rencontrés, soit qu'on admire secrètement, soit qu'on a envie de rencontrer. Et pour leur faire parler de leurs films, certes, mais aussi et surtout de leur cinéphilie. Donc c'est pour ça qu'en préparant un peu la rencontre, je vous ai demandé une liste de films que j'ai mis sur la table. Puis ça montre un peu l'univers, je ne sais pas si c'est un univers mental, mais l'univers cinéphilique de l'invité. Non, mais ce qui est vrai, c'est que on me fait souvent remarquer que je fais des tas de films très différents les uns des autres, mais la seule réponse que j'ai, c'est on n'est pas monochrome. Mais c'est aussi et surtout parce que en tant que spectateur de cinéma ou cinéphile, si on veut s'appêter un peu, j'aime des tas de choses très différentes, évidemment. J'aime des westerns de John Ford et j'aime des films intimistes, enfin, bref. Et quand on parlait tout à l'heure, à l'instant, avant que vous arriviez, de Jean-Daniel Paulet ou de Carmelo Bene, c'est des films qui m'ont éclairé, comme tant d'autres. Mmh. Et c'est des films, on est nourri de tous ces films-là. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais. Je sais que François Truffaut, avant de tourner un film, il sélectionnait 4 ou 5 ou 6 films qu'il aimait. Et qui avait un écho, une résonance avec le film qui se proposait de tourner. Et il montrait ces films-là à son équipe comme un coup de diapason, de non pas voilà ce que je voudrais faire, mais pour comme un mood book. Enfin, bref, je ne sais pas comment dire ça. Et moi, je n'ai jamais fait ça parce que Truffaut avait raison. De toute façon, chacun fait comme il l'entend. Mais moi, je n'ai jamais fait ça parce que j'ai l'impression que ce serait comme si on enfermait les gens qui vont faire le film dans une cinéphilie qui serait la nôtre, et je préfère que cette cinéphilie soit au fond de ma poche et qu'elle remonte à la surface par moment, bien sûr, évidemment, mais qu'elle soit pas affichée. Et alors y a des tas de films que j'ai aimé avec passion et qui n'ont rien à voir avec mes films. Alors, la première question que je pose souvent aux invités, c'est leur première image de film, leur premier souvenir de film, aussi loin qu'ils vous en souviennent. Oui, mais alors c'est très, très... C'est tellement lointain, quoi. J'ai 74 ans. Et donc, le premier film que j'ai vu, je ne sais plus du tout ce que c'était. Je sais que j'avais vu... Ça devait être des dessins animés, peut-être, des genres Bambi et tout ça. Mais le premier film en prise de vue réelle dont je me souviens, c'était un film avec
David Niven qui s'appelait Le Tour du Monde en 80 jours. Oui, en effet. Oui. Et j'avais vu ce film, qui était un film à grand spectacle, un film très aventureux, les ballons, Phileas Fogg, passe-partout. Et j'étais sorti de là en me disant, mais c'est, j'étais à ça du sol, je me disais, c'est extraordinaire, quoi, parce que c'était un film qui me parlait, qui m'embarquait, qui me prenait par la main, qui me racontait des histoires, qui me racontait des aventures. Ah, c'était extra, quoi, vraiment extra. Je suis même pas sûr que ce soit le premier film que j'ai vu, mais en tout cas, c'est celui dont je me souviens. Et parce que vous avez quand même écrit dans les cahiers, vous avez... Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais quand même. Donc, il y avait un intérêt pour cette revue, quand même. Ah, bien sûr, bien sûr. Un intérêt fort. En revanche, cette revue n'a jamais eu d'intérêt pour moi. Ben, c'est vrai. C'est que non, il ne s'agit pas d'avoir un rapport de cause à effet. J'écris dans les cahiers, donc les cahiers... Mais, et encore une fois, je ne veux pas me rendre malheureux, je ne suis pas malheureux du tout, mais depuis le temps que je fais ce métier, donc depuis 40 ans et 30 films, il n'y a pas eu une demi-ligne positive sur mes films. Pas une. Hein ? Ben, sympa, je sais pas, enfin bon, à positif, en revanche, de toute façon, cahier positif, c'est, oui. On se partage le terrain. Donc oui. John Borman, c'est positif, machin, c'est les cahiers, oui. Et donc moi je suis positif et pas cahier. Je n'ai pas choisi. Je ne sais pas si ça existe toujours tant que ça. Un petit peu. Mais ma question surtout, c'était sur ce que vous avez écrit dans les cahiers, c'était sur quel... Vous avez un souvenir de ces articles ou des réalisateurs? Oui, absolument. Sur lesquels vous aviez envie? Alors, j'étais étudiant de cinéma, j'étais provincial, monté à Paris, école de cinéma, préparé à l'IDEC. C'était pas la FEMIS à l'époque, c'était l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques, un vieux machin très poussiéreux, j'ai rien appris. Bref. Et vous avez appris plein de choses. Bah, c'est une question en fait. Pas plein de choses. Non. Je raconterai un truc après. Et y avait un cours qui préparait à l'IDEC à ce cours. À ce cours participait Jean Dreyfieschi, qui était un critique au cahier et qui connaissait mon goût et ma connaissance du cinéma d'animation et qui m'avait dit je trouve que tu écris bien, est-ce que tu veux écrire sur un film borovjik qui s'appelait Le théâtre de Monsieur et Madame Cabal, qui était un film d'animation absolument formidable parce que Borovjik était un grand créateur, bref. Et au cahier, il n'y avait personne qui était légitime. Enfin, ou habilité, ou passionné simplement par l'animation. Et donc, il m'avait dit, écris-nous un texte. Et c'est comme ça que j'ai publié mon premier texte dans les cahiers. Après, j'ai poussé un peu mon jeton, parce que quand la porte est entrebâillée, on met le pied dedans, et puis on... Et je m'étais accordé une espèce de règle, dont j'aimerais bien qu'elle soit universelle, mais je n'écrivais que sur les films que j'aimais. Ah oui, c'est bien ça quand même, comme celui-là, oui, parce que, le départ. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que quand on discute entre copains, c'est vachement plus facile de descendre un film en disant j'ai vu ça, et de descendre un film avec des bons arguments parfois, que de convaincre un interlocuteur d'aller voir un film qu'on a adoré. C'est... Pardon ? Oui. C'est plus difficile, j'ai pas dit que c'était impossible, c'est plus difficile. C'est plus difficile de convaincre quelqu'un d'aller voir un film. Moi, j'y arrive assez bien, donc je suis d'accord avec vous. Mais quand on écoute les conversations et qu'on reçoit les conversations, on entend des trucs parfois brillants pour descendre un film, pour telle et telle et telle raison. Moi, je sais le faire aussi. Mais ça me grandit pas, quoi. Je préfère à chaque fois essayer de communiquer un enthousiasme qui a été le mien et de faire en sorte que les gens aillent au cinéma, quoi. C'est peut-être un peu aussi un milieu professionnel du cinéma. Non, les amateurs, ils aiment bien partager justement des... Oui, enfin, je suis pas sûr de... Enfin, peut-être, mais je suis pas sûr de ça. Parce que je me suis jamais senti comme étant un... Je fais partie de ce métier, donc j'ai l'impression d'être un spectateur assez normal en fin de compte. Quand on me dit ouais, mais toi tu vois ça en cinéaste, enfin je vois ça en cinéaste quand je m'emmerde, quoi. Et là d'un seul coup je vois comment c'est fait et je me tire. Mais quand un film m'embarque, je vois ça comme un spectateur, quoi. Vraiment. Et alors est-ce que vous arrivez à être spectateur de vos films et
première question. Et quand vous jetez un regard quand même sur cette filmographie qui a une quarantaine, un peu plus, quarantaine d'années, plus d'une trentaine de films, des registres très différents. Vous arrivez à avoir un regard où ils sont tous reliés à... je ne cours pas après mes propres films pour les revoir. Ça m'arrive parfois. Il y a quelques temps à Cologne, il y avait un hommage qui m'était rendu de mon vivant, donc il passait un certain nombre de films, et donc chaque fois qu'il y avait un film qui passait, je présentais le film, et puis avec ma femme, on allait dans Cologne pour visiter, boire un coup, je sais pas quoi. Et puis est passé Tandem, et ma femme me dit je vais rester parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu, j'aime bien ce film. Je dis je vais pas aller en Cologne tout seul, donc je suis resté, j'ai vu le film, pas vraiment avec du recul, mais j'ai revu le film et j'ai trouvé super. Pardon, c'est pas modeste du tout, hein, excusez-moi, mais faites la part des choses. La salle s'est rallumée et je me suis mis debout devant le public qui était là et j'ai dit, écoutez, ça se fait pas de dire ça, mais j'ai trouvé ce film formidable. Et c'est vrai que j'avais trouvé le film formidable. Alors, il y a un truc... On n'est pas le meilleur spectateur pour ses propres films, parce qu'on n'a jamais assez de recul, c'est entendu. Et il y a un truc que j'adorerais, mais qui est impossible, ça n'existe pas, c'est de la science-fiction. J'adorerais, et je pense que d'autres cinéastes pourraient vous dire la même chose, j'adorerais voir mes films comme si c'était les films d'un autre, et qu'est-ce que j'en penserais ? Mais c'est vrai, c'est assez troublant, parce que là, ce jour-là, à Cologne, pour Tandem, j'ai vu, je savais que c'était mon film, et j'ai tout vu, et je me suis souvenu de tout. Mais j'avais un tout petit peu assez de recul pour dire, ouais, c'est pas mal, ou c'est carrément bien. Enfin, ça m'a plu. Mais les autres films que j'ai faits, si je marchais boulevard Montparnasse et je me dis, tiens, je vais voir tel truc, sans savoir que c'est de moi, et en ayant été loboteux, je sais pas quoi, j'en pense quoi, je sais pas, et on saura jamais. Est-ce que vous voulez bien qu'on égrène votre filmographie pour que tout le monde se remette un peu les vos films en tête, ça vous dérange pas? Les bronzés font du ski, point. Alors donc voilà, vous avez commencé. Avant il y avait Les WC étaient fermés de l'intérieur, Rochefort, Coluche, donc 80, les bronzés font du ski, 81 Viens chez moi, j'habite chez une copine, 82 Ma femme s'appelle Revient, 83 Circuler, il n'y a rien à voir, 85 Les spécialistes, donc Giraudot, L'an 20, 87 Tandem, j'aimerais bien qu'on s'arrête, qu'on revienne sur Tandem quand même. Le film que j'ai aimé à Cologne. Non, mais que j'ai aimé aussi ici à Paris aussi, en le revoyant vraiment. Parce que 89 Monsieur Hir. 90 Le mari de la coiffeuse, donc Jean Rochefort. 93 Tango. 94 Le parfum d'Yvonne. 96 Ridicule, énorme succès pour lequel vous avez eu un César du meilleur réalisateur. César du meilleur film, pardon. C'est pas pour rire, c'est vrai. Non, mais qu'est-ce qui m'a pris? Non, mais c'est... 96 Les Grands Ducs. 98 Une chance sur deux. 99 La fille sur le pont, Vanessa Paradis, Daniel Auteuil. 2000 La veuve Saint-Pierre, Auteuil Binoche. 2001 Félix et Lola. 2002 Rue des Plaisirs. 2002 encore, c'est peut-être 2003 L'homme du train. 2004 Confidence trop intime, Lucchini, Bonner. 2006 Les bronzés 3. 2006 Mon meilleur ami. 2008 La guerre des Miss. 2011 Voir la mer. 2012 Le magasin des suicides, c'était un film d'animation. 2013 Une promesse. 2014 Une heure de tranquillité. Et 2022, on saute à 2022. Oui. D'accord. Entre Maigret et celui d'avant, il s'est écoulé 7 ans. D'accord, ok. Bon. C'est 7 ans pendant lesquels j'ai pas glandé du tout. Il y a eu 4 projets qui me captivaient, quoi, qui étaient des projets très avancés. Scénario, bien sûr, production, casting, repérage, etc. Et qui sont tombés à l'eau pour des histoires de financement. C'est devenu très fragile, le cinéma. Très fragile. Je voulais qu'on revienne quand même sur Tandem, parce que je l'ai aussi revu et je me suis fait la même réflexion que vous. C'est-à-dire que j'ai trouvé le film vraiment très très bon. Je pense que c'est un des plus beaux films de Jean Rochefort. Tout fonctionne. Et je me pose la question de savoir qu'est-ce qui fait que
qu'est-ce qui fait qu'un film est réussi? Qu'est-ce qui fait qu'on fait un bon film? Je ne sais pas si c'est... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui fait qu'un film. Enfin, je sais un tout petit peu ce qui fait qu'un film est réussi. C'est qu'un film, il est réussi par rapport à soi. Il est réussi par rapport à ce qu'on voulait faire. Il y a des films que j'ai faits qui ne sont pas réussis parce qu'ils ne ressemblent pas à ce que j'avais en tête, parce qu'ils m'ont échappé, parce que pas beaucoup, pas trop, heureusement. Mais Tandem est réussi. Ce n'est pas pour ça que c'est un bon film. Ce n'est pas pour ça que ça va plaire. Mais le film comme Tandem est réussi parce qu'il ressemble exactement à ce que j'avais en tête. Donc il ne m'a pas échappé du tout, avec la grâce des comédiens en plus, etc. Donc c'est un peu égoïste, bien sûr, mais par rapport à moi, le film est réussi. Oui, mais c'est pas tant une question de contrôle, oui, mais ce qui nous touche dans ce film-là, c'est que je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose de très personnel qui est raconté. J'ai l'impression. En effet, mais cette chose très personnelle, elle peut être cachée, enfouie, détournée, elle peut vous échapper aussi. Et les sentiments, les émotions, les trucs communiqués dans Tandem sont exactement les choses que j'avais en tête. Et donc en tête, c'était déjà Rochefort, c'était déjà le couple Rochefort-Junior. Pas au départ. Au départ, c'était écrit pour Mortaise et Rifteau, pour les personnages, et puis les acteurs sont venus après. Mais c'est un film comme quelques autres aussi. C'est un film que je trouve réussi par rapport à ce que je voulais faire. C'est le premier film que vous cadrez aussi, je crois. Oui, exact. Ouais. C'est le premier film que je cadre, mais avant ça me brûlait, donc j'avais envie de cadrer moi-même mes autres films, mais bon, je savais pas si j'avais le droit, enfin bon, bref, c'est comme ça, et à partir de Tandem, oui, je n'ai plus jamais lâché cette fonction. Oui. Est-ce que ça a été compliqué, du coup, de vous autoriser à cadrer après des années d'expérience dans le cinéma, que c'était toujours dans les mains du cadreur? Enfin, moi je sais que j'ai un peu ce problème, je meurs d'envie de cadrer, mais j'ose pas, parce que le moment où je peux cadrer, c'est sur un plateau, on a une exigence de temps, de productivité, donc j'ai pas le temps de me tromper, donc je préfère donner ça entre les mains de techniciens qui s'y connaissent. Et donc du coup, j'imagine que... Enfin, pour moi, cet axe, il est hyper difficile, et je me demande comment est-ce que vous avez pu passer à l'acte du cadre. Je suis passé à l'acte pour de plusieurs petites raisons qui font un club sandwich de raisons qui rendent ça possible. C'est que je faisais beaucoup de films publicitaires. Et j'en ai fait, si vous saviez. Et j'ai adoré ça. Je dis pas ça en levant les yeux au ciel. Hein. J'ai adoré ça. Et en faisant ces films publicitaires, c'est le producteur de la PAC, Thierry de Gannet, enfin bref, peu importe, qui m'a dit tu devrais cadrer toi-même, apprends-toi. Et donc je me suis appris, je me suis dévergondé avec le cadre sur les films publicitaires. Je savais que j'aimais ça a priori, et j'ai pas été embarrassé de cadrer les films publicitaires. Et après, quand sur Les Spécialistes, qui était avec tous les guillemets du monde un gros film, j'ai pas osé. Mais sur Tandem, qui était un petit film, qui était tourné presque comme un court-métrage, quoi. On était une toute petite équipe, c'était dérisoire, quoi. Et là, je me suis dit, sur ce film-là, je peux me payer le luxe de cadrer moi-même, et ça ne m'a jamais quitté. Et ça a apporté une vérité en plus à votre manière de faire des films, de cadrer, ou... Enfin, y a eu un... Oui, ça a apporté un truc inouï. Alors, par parenthèse, ce qui est très, très bizarre, je ne sais pas si c'est bizarre, mais c'est que... En France, et ailleurs d'ailleurs, les réalisateurs qui cadrent eux-mêmes se comptent sur les doigts d'une main, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont mal vus. Pardon ? J'ai l'impression que ce n'est pas accepté par les techniciens. Si vous dites pousse-toi de là, je... Ok. Ben non. Non, mais il ne s'agit pas de prendre le pouvoir. Mais de... Non, oui. Enfin, moi, depuis Tandem, donc, on sait que je suis un réalisateur qui cadre lui-même ses films. Donc, personne ne vient dire de quel droit, enfin, bon, etc. Mais ce qu'il y a de bizarre, c'est que je crois que François Ozon cadre ses films, Luc Besson... Lelouch, on l'a suffisamment vu avec une caméra à l'épaule, encore peut-être un ou deux autres, mais rien de plus. Et ça m'a... non seulement ça m'a plu parce que je pouvais réaliser moi-même les images qui me trottaient en tête sans les déléguer à quelqu'un,
Et c'est pour ça que je n'ai jamais fait de storyboard, qui est un exercice qui m'insupporte, qui ne m'intéresse pas surtout. Okay. Oui, mais juste, oui, mais enfin, le storyboard, c'est un dessin réaliste. Moi, mon dessin, il était BD, quoi. Un peu. Et beaucoup. Et ce qu'il y a, c'est que ça, en termes de mise en scène, c'est important, mais en termes de rapport avec les acteurs, c'est magique. Vraiment. De cadrer ? Oui. Parce que les acteurs, ils, au lieu d'avoir un type qui est quelques mètres plus loin devant l'écran de contrôle et qui leur dit des trucs, là, ils savent qu'il n'y a pas d'intermédiaire à part l'appareil, la caméra, et que le type qui est en train de les filmer, c'est le type qui fait le film. Et ça, ça introduit une complicité assez sensuelle, d'ailleurs, enfin, assez magique. Corporelle, ouais. Oui, enfin, il y a un truc, c'est comme si on était entre nous. Okay. C'est extra. Merci. La transition est toute trouvée par rapport à la question des acteurs et de la direction d'acteurs. Parce que quand on regarde votre filmographie, il y a quand même des vagues, des générations. Quand on parle des bronzés, on pense à la génération du Splendide. Quand on parle de Tandem, et vous avez fait tourner Rochefort, Noiret, Marielle, toute cette fameuse bande. C'est les Grands-Ducs. Les Grands-Ducs, oui. Qu'est-ce que j'ai dit ? j'ai dit... Non, c'est pas grave. Non, oui. Mais la période Tandem, non, Tango, voilà, toute cette génération-là, on parlait de Auteuil, Binoche, là récemment, Depardieu, c'est la première fois que vous... La première fois. Incroyable, vous avez attendu... J'ai attendu l'occasion. Voilà. Non, sans blague, ouais. C'est vrai, il y a des acteurs que j'aime passionnément, mais c'est pas la peine de se forcer de tourner des films avec des chausse-pieds en disant, bon, ça va aller avec... Non, il faut attendre... Il faut attendre la jolie occasion. Et là, ce n'était pas une jolie occasion, c'est une occasion scintillante. Quoi. C'était incontournable. Et alors, comment on dirige Depardieu, alors ? Est-ce qu'on le dirige ? Mais est-ce qu'on dirige les acteurs ? Alors, bon, c'est moi qui pose les questions. Non, mais je me la suis posée. Non, mais les réalisateurs ou les metteurs en scène de théâtre, d'ailleurs aussi, c'est autre chose. Mais les réalisateurs qui se targuent d'être de grands directeurs d'acteurs sont souvent des imposteurs, parce que de prendre l'acteur par les épaules, de le diriger, de lui raconter son enfance malheureuse, sa mère alcoolique et tout ça, enfin, si un scénario est bien écrit et si on table sur le fait qu'il est vrai que les acteurs sont des personnes intelligentes et sensibles, si un scénario est bien écrit, on n'a rien à dire à un acteur, enfin rien. En tout cas, on n'a pas besoin de lui prendre le chou pour le diriger, pour en faire sa chose. C'est absurde. Franchement, c'est absurde. Enfin, moi, c'est pas comme... Vous êtes très loin de Piala, quoi, en clair. Un peu. Mais enfin, chacun voit midi à sa porte. Mais j'ai jamais travaillé comme ça. En revanche, ce qui est très plaisant, c'est de laisser l'acteur libre de faire ce qu'il pense bien. Et puis d'aller lui parler à l'oreille en lui suggérant ceci ou cela, en fonction de ce qu'il a fait. Mais qu'au départ, ce soit l'acteur qui livre ce qu'il ressent, du scénario, du personnage, de la situation, etc. Et c'est pas une forme de démission, c'est d'être spectateur de l'acteur, et après d'aller lui suggérer des trucs. Mais je n'ai jamais indiquer des choses à un acteur ou à une actrice, bien sûr, avant qu'elle me propose ce qu'elle a à me proposer. D'accord. Il n'y a pas de table, il n'y a pas des répétitions, des lectures de texte. Il n'y a jamais de répétition. Ce que je fais toujours, c'est une lecture, 3 semaines ou 1 mois avant de tourner le film. On réunit tout le monde, même les petits rôles autour d'une table. C'est une manière comme une autre. C'est pas pour jouer le film, c'est pour entendre les textes, changer une virgule de place au besoin, et puis que tout le monde se connaisse. Enfin, on boit du thé avec des petits biscuits. Enfin, c'est charmant. Mais au moins, tous les acteurs du film sont là avant et se sont connus. Et puis, d'autre part, il y a un moment... j'enfonce une porte ouverte, hein, pardon, parce que tout le monde sait ça. J'espère que tous les réalisateurs font ça. Bref, au début de chaque journée de tournage, je fais ce qu'on appelle, ce que font sans doute tous les cinéastes, encore une fois, je fais une mise en place.
sortir, on est main dans les poches, l'équipe regarde comme si on était au théâtre, et les acteurs jouent la scène, encore une fois, comme si on était au théâtre, jouent la scène en complète. Et là, on peut changer des trucs. Est-ce que tu ne crois pas que c'est mieux si d'un seul coup, tu te laisses tomber sur le canapé ? Enfin, je dis n'importe quoi. Enfin, bon, bref. Ah oui, c'est intéressant. Refais-le comme ça. Donc, on tâtonne, on cherche un peu. On suggère, on modifie au besoin. Et puis après, la mise en scène, la mise en place est bouclée. Ils vont se faire coiffer, maquiller, habiller, etc. Et moi, à ce moment-là, j'explique à l'équipe le découpage que j'ai en tête et comment je vois les choses que j'ai prévues, que je modifie. Et c'est assez formidable d'efficacité, cette méthode, qui est très simple, hein, qui est assez universelle d'ailleurs. C'est assez formidable parce que les acteurs ont joué la scène en entier. Et ayant joué la scène en entier, on peut, si ça nous arrange pour l'histoire de lumière, d'axe ou je ne sais pas quoi, on peut commencer par la fin, puisqu'ils savent. Ils connaissent le mouvement, l'arc, comme on dit, l'arche de la scène. Et ça m'a, cette petite méthode universelle, qui n'est pas personnelle, m'a beaucoup servi quand j'ai fait des films d'époque, comme on dit, des films en costume, comme on dit aussi. Quand j'ai fait Ridicule, par exemple, ou Une promesse ou d'autres, c'est que je faisais cette mise en place avec les acteurs qui descendaient de la voiture qui les amenait au tournage. Ils étaient en jean et en tennis et en t-shirt. Et donc on jouait une scène qui se passe au XVIIIe siècle, avec des acteurs qui n'étaient pas du tout préparés, maquillés, etc. Et si la scène fonctionnait en jean et en t-shirt, elle fonctionnait forcément en costume. Elle fonctionnait d'autant mieux avec des perruques et de la poudre. Et c'était vachement bien. Par rapport, je reviens quand même à ces acteurs, ces animaux un peu étranges quand même que sont les acteurs. Est-ce qu'il y a un plaisir de voir chez les stars ou les acteurs importants qu'on connaît une sorte de belle mécanique, un plaisir de les voir jouer et je ne sais pas, il doit y avoir quand même quelque chose. Je posais la même question au frère Larieux qui dans Peindre ou faire l'amour, qui avait il y avait Sergi Lopez, Azéma et Auteuil, voilà. Je leur disais, qu'est-ce que vous avez, eux qui avaient l'habitude de travailler avec des non-professionnels, c'est moins votre cas, mais c'est pas du tout votre cas. Mais il doit y avoir un plaisir, j'imagine, de metteur en scène ou quelque chose de. Le plaisir, il est immense et infini. C'est que les acteurs, les bons acteurs, les grands acteurs, les acteurs talentueux, tout simplement, qu'ils soient reconnus ou pas reconnus, sont des. Oui, des animaux, comme vous dites, si vous voulez, mais sont des gens formidables. C'est que un bon acteur, un grand acteur, ce qu'il vous amène. Et là, sur le dernier film, sur Maigret, Gérard Depardieu, ce qu'il est, ce qu'il donne, c'est un truc qui vous fout les larmes aux yeux, franchement. Parce que le talent, c'est un truc inouï, quoi. Il est là, il déconne, il dit 2-3 bêtises. Jusque pendant le clap et tout, en un battement de cils, il est dans le personnage, dans la situation, dans l'émotion, dans la rareté, dans les silences, les regards, etc. C'est un truc, moi, ça me... Enfin, je sais, on me dit parfois que certains, des acteurs m'en parlent, me disent que certains réalisateurs n'aiment pas les acteurs, ou ne savent pas faire avec, ou ça, mais... Les acteurs, c'est comme dans la vie, quoi, en fait. C'est que si vous aimez les gens, ils vous donnent le meilleur, quoi, franchement. Si vous faites si vous êtes méfiant, si quelqu'un est méfiant vis-à-vis de vous, vous n'avez pas envie de vous livrer, donner, non, bien sûr. Oui, donc oui. Voilà. Donc dans la vie, c'est comme avec les acteurs. J'aime beaucoup les acteurs parce que je trouve que leur métier est difficile, compliqué. On a l'impression que c'est facile d'être un bon acteur. C'est très compliqué. Et les bons acteurs, ça semble fastoche. Mais ils ont un petit supplément d'âme qui fait que ça semble fastoche. Je ne dis pas qu'ils en bavent, ce n'est pas ce que je veux dire, mais tout le monde ne peut pas être acteur. Mais vous parliez dans... Je me rappelle... dans une émission de c'était Noiret qui était dans le tournage des Grands Ducs, Noiret qui était à côté de vous, à côté de la caméra, et qui regardait Marielle et Rochefort jouer et
et complètement délirés, quoi, ben, comme ils savent faire, comme ils savent très bien faire, et qui le regardaient avec pas une pointe de jalousie, mais une amitié, un amour profond, mais en même temps quelque chose dont ils se sentaient un peu incapables de. Oui, de... oui, mais parce que Noiret était quelqu'un de raisonnable, 40 ans de TNP, mariage avec Monique Chaumette, enfin, par rapport aux deux autres fiévreux, il était à la ramasse, quoi. Enfin, ils sont très amis, tout ça, et il m'avait dit, avec une sincérité formidable et beaucoup d'émotion, il m'avait dit, Patrice, voyez, Jean et Jean-Pierre, donc Rochefort et Marielle, ils ont quelque chose que je n'aurais jamais, la folie. Et ça m'avait touché beaucoup, quoi, parce qu'il était... Alors je lui disais, mais non, Philippe, toute la folie du monde. C'est vrai qu'il avait des espèces de... Il y avait un petit grain quand même aussi, lui. Mais non, il fallait que je le rassure par rapport à sa folie à lui, alors ça allait. C'est fini ? On s'en va ? Ah non, pardon. On dit que, en fait, j'ai vu, je crois que c'est une séquence dans un documentaire où on vous qualifiait de gentil avec les acteurs. C'est-à-dire que certains acteurs sont peut-être plus ou moins difficiles quand même à gérer. Ils ont des caractères pour certains. Et donc on vous traitait de gentil. Est-ce que c'est vrai ? Non, parce que gentil, c'est comme quand on dit de quelqu'un, je voudrais pas dire du mal, mais il est gentil. C'est vrai que c'est odieux d'être gentil, mais je préfère être gentil que méchant. Et c'est ce qui se passe, c'est que je déteste les conflits. Dans la vie déjà, mais sur mes tournages, il y a des cinéastes qui ne travaillent que dans le conflit. Il y a des acteurs qui adorent les conflits, qui adorent se faire traiter de tous les noms. J'ai vu les recherches soir, t'es à chier. Enfin, ils aiment ça. Bon, ok, chacun sa vie. Et moi, je peux pas blairer ça. Je n'aime pas travailler dans quelque chose dans une atmosphère rugueuse ou de défiance. Ça m'énerve. Alors. J'obtiens toujours ce que je veux, mais jamais de manière frontale. Donc je suis une saloperie ambulante parce que j'arrive à mes fins, mais d'une manière plus sournoise, quoi. Mais sans jamais faire de vagues intempestives. Sur mes tournages, il n'y a pas de tsunami, vraiment. Je me suis jamais frité avec un acteur, en fait. Il y a eu un 24 heures un peu tendu avec Lucchini sur Confidence sur Pintime. Le lundi matin, c'était oublié, donc ça allait. Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Oui, parce que j'imagine qu'il y a des comédiens qui ont besoin de prendre le pouvoir quelque part, ou qui cherchent justement la confrontation pour savoir quel est leur espace. Oui, mais alors, mais sincèrement, ce que j'ai appris ou compris, c'est que les acteurs qui cherchent à prendre le pouvoir pour délimiter leur espace à eux, c'est... Enfin, je me la pète deux secondes, mais après j'arrête. Mais c'est les acteurs qui sentent qu'ils sont embarqués dans un film dont le réalisateur n'est pas le vrai commandant de bord. Et à ce moment-là, ils ont besoin de marquer leur territoire pour... Mais si un acteur, quel qu'il soit, aussi prestigieux soit-il, se rend compte que le réalisateur, il sait exactement ce qu'il veut, et qu'il n'a pas un discours complètement con vis-à-vis du rôle, de ce qu'il a à faire, etc., là, d'un seul coup, le respect s'installe, et aucun acteur ne marque son territoire pour dire « Attends, t'es quoi, toi, t'es qu'une merde ?» Il y a une forme de respect immédiat quand l'acteur est rassuré, quoi. Est rassuré en disant « Je suis dans un navire qui sait où il va. » J'ai une petite question. Vous avez dirigé Jean-Pierre Marielle au théâtre avec Pierre Vernier dans les... Est-ce que vous avez découvert un autre acteur finalement au théâtre ? Est-ce que vous, ça vous a aussi apporté quelque chose de mettre en scène du théâtre qui va presque pas à l'encontre de ce que vous disiez, mais c'est des répétitions. J'ai mis en scène pas mal de pièces de théâtre et j'ai toujours vécu ça avec enthousiasme et désespérance. Non, mais enthousiasme, parce que c'est du travail avec des acteurs et on n'est pas tributaire des nuages, d'une équipe, de ça, on est seul avec des acteurs, donc c'est un travail intime formidable. Donc ça, c'est l'enthousiasme. Et la désespérance, le mot est un peu violent, je dois dire, mais la désespérance, c'est que au cinéma, quand on avance, on laisse derrière soi que des choses accomplies, si on passe au plan suivant, quand le plan précédent est comme on voulait. Au théâtre, cette incertitude du théâtre, ce côté non, enfin, mouvant,
fait que j'ai eu des joies formidables dans des mises en scène de théâtre le soir d'après, un soir c'était sublime, le soir d'après ils sont pas en forme donc c'est moins bien, et cette incertitude, ce côté fluctuant me mine un peu, quoi. La toute première mise en scène de théâtre que j'avais faite, c'était il y a très très longtemps, c'est une pièce de Jean Anouilh. J'avais dans la distribution Jean-Claude Dreyfus qui faisait un peu tout et n'importe quoi, il folâtrait, et il y avait Michel Larocque qui était dans la distribution aussi, qui m'appelait, c'était Matahari. Elle me disait, Patrice, viens vite, Jean-Claude fait n'importe quoi. Et ça, on ne peut pas dire ça sur un film, parce qu'un film, une fois qu'il est terminé, qu'il est bien comme on veut, il se projette là ou là, ce sera toujours le même film, et dans 10 ans et dans 20 ans, grâce au DVD de la maison. Mais le théâtre, c'est ça qui en fait le prix, sans doute. Et le charme. Le charme, oui, sûrement, mais c'est ce qui fait que parfois, moi j'ai eu des expériences enthousiasmantes au théâtre et sans, mais d'autres fois j'étais, mais avec Marielle c'était parfait, il était incertain mais fantasque parfois, mais toujours génial, quoi, donc ça allait. Oui, pour revenir sur ce qu'on disait juste avant, vous disiez savoir être commandant de bord sur un plateau. Ça a mis du temps à venir, c'était difficile ou ça a été évident? Enfin, comment est-ce qu'on vient de... Non, c'était, ça n'a pas été évident, ça ne se fait pas en soufflant dessus. Mon premier film qui s'appelait Les WC fermés, l'intérieur, a été un calvaire absolu. Je voulais abandonner ce métier. Je me suis dit, j'ai rêvé à côté de la plaque. Donc c'était costaud. Après, je me suis retrouvé sur les bronzés font du ski, parce que les films n'étaient pas commodes à faire. C'est des films... chorale, on dit pas des films choraux, c'était des films chorales, mais je m'entendais très bien avec le Splendide, on faisait le film, donc ça s'acquiert, ça, cette espèce, non pas de certitude, mais cette confiance en soi, en fait. Moi, j'ai passé toute ma vie pratiquement à avoir peur de pas être à la hauteur. Dans la vie, mais dans les films surtout, évidemment, de pas être à la hauteur de ce qu'on attendait de moi, pas être à la hauteur de ce que j'attends de moi. Mais bon, petit à petit, ça va. Mais j'ai traîné cette inquiétude de pas être à la hauteur très longtemps. Mais après, ça fait toujours partie de moi, cette crainte de pas être à la hauteur. Mais il faut pas en faire état, parce que sinon Mais à aucun moment, même si on commence à avoir un peu de confiance en soi, à aucun moment il faut rouler des mécaniques en disant attends, pousse-toi coco, je connais. Toi. Juste, c'est pas pour revenir de manière obsessionnelle à Tandem, mais quand vous épanchez quelque part, vous nous livrez ça, moi je. Cette traversée, cette obstination aussi qu'a le personnage de Rochefort, je trouve, dans Tandem. Voilà, quand Junot découvre sa chambre, ce type qui met du prix, qui a toute la fierté du monde, et en même temps la haine du beauf ou la haine de tout ça, mais la façon dont il fait ces choses et dont il veut les faire bien, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose quand même de totalement bouleversant, quoi. Dans parce que c'est pas seulement un miroir, mais je sais pas, ça touche quelque chose de une sorte d'obstination, et même quand on traverse des contrées peut-être un peu médiocres, ou même quand on... Voilà. Non, mais parce qu'il y a... Il n'y a pas de condescendance, il n'y a pas de moquerie, exactement. Un vrai attachement à la province, au vin d'honneur, à la mairie, avec du champagne tiède, tout ça, il n'y a pas de moquerie. S'il était du début à la fin goguenard, supérieur, se sentant supérieur, ce serait insupportable. Exactement. Et en fait, c'est un vrai Parisien qui a du goût pour la province. Et une fois, ce film, encore une fois, n'est pas, contrairement à ce qu'il a pensé, n'est pas un biopic de Lucien Jeunesse. Évidemment pas. Mais une fois, je suis allé voir Lucien Jeunesse. C'était dans la grande banlieue parisienne. Je savais qu'il passait par là. Et je me dis, tiens, je vais aller voir comment il anime le jeu des 1000 francs. C'était dans une espèce de gymnase foireux. Il y avait au premier rang des cheveux bleus et des gens un peu, pas grabataires, mais un peu
Kakoshim, et puis là-bas, au fond, assis sur les dossiers des sièges, il y avait cette jeunesse un peu inactive qui dit « Tiens, on va aller voir Lucien Jeunesse ». Et il est monté sur scène, accompagné de son fidèle monsieur Ding Ding, il l'appelait comme ça, le mec fait « Ding, 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 ding ». Et il a pris le public à bras-le-corps, il a dit aux jeunes qui étaient au fond, là-bas, au fond du gymnase, « Venez, il a fait le show ». Mmh. Alors qu'il n'y avait que 48 personnes quoi, mmh. en tout. Mmh. Et il a animé l'émission, non pour ces 48-là, et pour tous les auditeurs qu'il savait mmh. être à l'écoute. Mmh. Et c'était vraiment une leçon, quoi, parce qu'il aurait pu dire... Et non, il y était, c'est comme s'il était sur la scène du Stade de France. Mais oui, quoi, mais vraiment. C'est ça. Mais exactement. Et ça, c'est un truc... Ouais. Inouï, comme ça. Et ça me renvoie à un truc que je raconte souvent, mais qui me... Jacques Brel... Pourquoi Jacques Brel? J'y arrive. Jacques Brel, quand il était adolescent, il ne savait pas trop ce qu'il allait faire de lui. Est-ce qu'il va faire ceci ou cela? Il s'en ouvrait à son père. Ses hésitations et ses doutes. Et son père lui a mis la main sur l'épaule et lui a dit simplement ceci. Jacques, plus tard... Fais ce que tu veux, mais fais-le bien. Cette phrase, pour moi, elle devrait être gravée partout, ou dans le disque dur de tous les... Faisons ce que l'on veut, n'importe quoi, mais faisons-le bien. Et Jean Rochefort, pardon, Lucien Jeunesse, Michel Mortaise, etc., il fait ça. Il va d'une ville à l'autre, il fait une émission pas sensationnelle, mais il le fait bien. Et ça me c'est vrai, enfin je trouve que c'est vraiment une leçon de vie, moi. J'ai plombé l'ambiance. Alors on parlait tout à l'heure de votre rapport au fait que vous étiez cadreur, également au rapport avec les collaborateurs, les acteurs en l'occurrence. J'aurais aimé avoir un petit peu votre ressenti sur votre rapport spécifiquement au chef opérateur, puisque vous êtes cadreur, et plus spécifiquement également un chef opérateur avec qui vous avez fait une grande partie de vos films. Évidemment, c'est au moment où je dois vous en parler que son nom m'échappe, mais celui avec qui vous avez Jean-Marie fait Tandem. Drejoux. Pardon ? Jean-Marie Drejoux ? Non, parce qu'en fait, c'est un chef opérateur qui a aussi tourné plus tard à Hollywood, notamment avec Shyamalan sur Incassable. Eduardo Serra. Eduardo Serra, voilà, absolument. Et qui est le chef opérateur génial avec qui j'ai... À partir des spécialistes, etc. J'aurais aimé vraiment avoir votre retour là-dessus. Il y a, dans la préparation des films... Il y a des moments que j'adore par-dessus tout, c'est quand, avec le chef opérateur, le chef décorateur, l'assistant, bien sûr, et moi-même, quand nous trois, opérateur, décorateur et moi, on va dans les lieux dans lesquels peut-être on va tourner, on fait des repérages, on voit, etc., et où on se pose cette question, d'où vient la lumière? Et ça, c'est une question, mais c'est... C'est basique, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un petit couloir et qu'il y a un soupirail là et toute la lumière va venir de là? Est-ce que la lumière va venir d'à côté ou du plafond? D'où vient la lumière? Et tant qu'on n'a pas réussi entre opérateur, moi, mes demandes, mon questionnement et le chef décorateur, tant qu'on n'a pas réussi à répondre d'une manière intelligente, sensible et artistique, si possible, à cette question, on continue à chercher. Et il m'est arrivé plein de fois d'arriver dans des lieux que l'assistant qui avait fait les repérages me proposait. Je ne sentais pas le lieu, je ne sentais pas le volume, et surtout je ne sentais pas d'où venait la lumière. Et je dis non, il faut trouver autre chose, ça ne va pas. Et donc mon travail, mes travaux avec les chefs opérateurs différents, c'est à la base de... Oui, c'est presque à la base de la mise en scène, quoi. Vraiment, entre le cadre, la mise en scène, la lumière... Les contre-jours, enfin, oui, d'où vient la lumière? Un grand film qui, un film où il y a une belle tentative, pas une belle tentative, excusez-moi, mais un beau travail sur la lumière, c'est Monsieur Hir, qui est avec Michel Blanc. Et Sandrine Bonner, un contre-emploi incroyable, et je le revoyais aussi pour préparer la rencontre.
Et j'étais assez stupéfait par le film. Et encore une fois, on en discutait avec des collègues sur la fin. On s'est repassé cette fameuse scène qui est la scène de la patinoire. Bon, il y a énormément de choses. Peut-être, quel souvenir vous avez de ce film-là, qui est une adaptation, pas une adaptation. C'est Panique de Duvivier, mais une adaptation de Simenon. C'est pas un remake de Panique, c'est une nouvelle adaptation d'un roman de Simenon qui était Les fiançailles de Monsieur Hir et que Duvivier avait déjà adapté. Mais ce film, enfin, heureusement, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de films qui se sont passés d'une manière idéale, quoi. C'est-à-dire que Tandem, Monsieur Hir, La fille sur le pont, plein de films que j'ai pu faire se sont passés de manière parfaite, d'atmosphère, d'ambiance. Il ne s'agit pas de se frotter les mains en disant on est en train de faire un grand film, les gars, c'est pas ça, mais c'est que. Il y a une phrase les peintres, j'adore cette phrase, elle est très courte. Les peintres, quand ils travaillent sur le motif, pas tous les peintres, enfin j'ai entendu ça, quand ils travaillent sur le motif, et vous venez au-dessus de leur épaule en disant ça va ? Et ils clignent des yeux comme ça, parce qu'il y a un sous-bois, une marge, pourquoi ? Ils disent ouais, je suis content que ça vient bien. Mmh. Et ça vient bien, c'est-à-dire que ça prend forme comme on souhaite, quoi. Ça ne m'échappe pas et je suis pas en train de me faire chier. Ah putain, c'est quoi ce verre que j'arrive pas ? Non, ça vient bien. Et heureusement, il y a, je pourrais reprendre ce langage de peintre, n'étant pas peintre, mais bon, quand je fais des films, si quelqu'un, certains de mes films, la plupart, pas tous, mais la plupart, si on m'avait tapé sur l'épaule en disant ça va, j'aurais pu dire ça vient bien. Et c'est vrai que Tandem, Monsieur Hir et quelques autres sont des films qui sont venus comme il faut, quoi. Sur Monsieur Hir, Michel Blanc, il avait la trouille parce que c'est la première fois qu'il faisait un film. C'est un contre-emploi total, quoi. Total. Et moi, ce que j'avais jamais fait de film à ce point crépusculaire, corseté, bref. Mais malgré tout, le film, il venait comme je voulais. C'est drôle parce que c'était un film. Le tournage, c'était très joyeux. Ah oui, ouais, oui. Vraiment. Ah non, parce qu'on ne fait pas me souvenir comme on entre en loge pour le prix de Rome, je crois quoi. En plus, Sandrine Bonner, elle est. Mais elle était jeune à l'époque, j'ai regardé dans sa filmo, elle est très. Très jeune, oui, bien sûr. Très jeune. Ouais, je pensais qu'il arrivait un peu plus tard dans sa filmo, mais en fait, non. Ah non, elle était très très jeune. Alors, sur Sandrine, anecdote, je rêvais, une fois que le scénario avait été terminé, je me suis dit, Michel Blanc serait parfait. Donc, je lui ai fait lire, il m'a dit, j'ai jamais fait ça, mais je fais confiance, on y va. Donc, et puis Sandrine Bonner, j'en rêvais parce que j'adorais, j'aime toujours passionnément cette femme, cette actrice. Et je lui fais parvenir le scénario, je ne la connaissais pas du tout. Et son agent me dit, Serge Rousseau à l'époque, me dit, Sandrine, lui fait lire, elle a lu, elle aime beaucoup, elle aimerait beaucoup travailler avec toi, mais là, elle a enchaîné des films, elle veut lever le pied, non. Mais elle adorait faire ta connaissance. Ok, très bien, super. Donc on file rendez-vous dans un restaurant de la Buoche, un restaurant italien, agréable, où on allait être tranquille. J'arrive évidemment un peu en avance parce que j'aurais été malade qu'elle vienne devant moi. Bref. Elle arrive, très ponctuelle, elle s'assied, on fait connaissance, bonjour, etc. Et je lui dis d'emblée, écoutez Sandrine, je sais que vous n'allez pas faire le film, parce que vous avez fait trop de films, vous voulez vous reposer un peu, lever le pied, ok, je comprends très bien, mais c'est notre premier rendez-vous, et donc pour un premier rendez-vous, c'est trop dommage si vous me dites non. Non. Donc je vous autorise à me dire non, mais dans une semaine. Est-ce que vous êtes d'accord pour que dans une semaine, donc pile poil, même heure, même table, même restaurant évidemment, là vous venez, on dîne à nouveau ensemble, et là je vous autorise à me dire non. Elle a trouvé ça sympa, elle a trouvé ça super, et elle m'a dit ok, d'accord. Donc on a passé le premier dîner à se raconter des trucs, des machins. Ça désamorce complètement. Oui, et on a bu des coups, enfin bon, bref, c'était parfait. Et quand on s'est quitté, je lui ai dit à la semaine prochaine, oui, comptez sur moi. Et j'étais sûr qu'elle viendrait, évidemment. Et la semaine d'après,
évidemment, la chute de l'histoire, elle est nulle, puisque vous savez qu'elle a joué au film. Donc, il n'y a plus beaucoup de suspense. Et la semaine d'après, elle vient, une fois de plus, j'arrive un poil en avance quand même, elle s'assied, j'avais réservé la même table, on avait réservé le même champagne italien, etc. Et puis, on papote. Moi, je n'ose pas lui dire quoi que ce soit, j'attends qu'elle me dise non. Et puis on en vient de fil en aiguille à se parler du film. Et elle me parle de son personnage, Alice, elle me parle de comment elle allait être habillée, comment elle le voyait. Je dis, mais attendez, mais Sandrine, pourquoi vous parlez d'Alice si vous n'allez pas le faire? Ah, je ne vous ai pas dit, je vais le faire. Donc, si jamais vous voulez obtenir l'accord de qui que ce soit, vous dites, ce soir, tu ne me dis pas non, dans une semaine, tu as le droit. Et une semaine après, elles disent oui. Même pour le mariage? Pour le mariage, pour les rapports, tout. Parce que ça leur laisse une semaine pour réfléchir. Disons, je ne vais quand même pas dire non à ce mec. Bonsoir, je suis avec eux depuis 5 jours, donc je ne sais pas si vous en avez parlé, du Mari de la coiffeuse, mais c'est un des films préférés. Je l'ai vu à l'âge des pâtés de sable et à 18 ans. C'est peut-être la plus belle madeleine que j'ai vue. Est-ce que vous aviez des cipes en laine? Non. Vous êtes trop jeune pour ça. Je n'avais pas ça. Parce que j'ai rencontré pas mal de... J'avais des trucs comme ça. Pas mal de gens de ma génération, même un peu plus jeunes, avec lesquels je peux faire... une amicale des cipes en laine, parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants de mon âge et un peu plus jeunes qui ont subi les cipes en laine, qui ne séchaient jamais, et qui ont accumulé le sable. D'ailleurs, c'est un film où la lumière elle est particulière, parce que vous avez tout tourné en studio. Pardon, excusez-moi. Une question. Non, je voulais juste savoir quelle était la jeunesse du film. C'était un projet qui était beaucoup plus ancien que sa réalisation. C'était un projet très fragile, quoi. Je passais dans mon quartier devant un salon de coiffure dans lequel officiait une coiffeuse, et son salon était tout en vide. Et j'ai jamais eu le petit courage, c'est pas ça le courage, mais de pousser la porte et de dire coupez-moi les cheveux. Je me suis jamais fait couper les cheveux par cette coiffeuse. C'était une belle femme, déjà un petit peu sur la fin, pas une jeune femme, mais une très belle femme. Et donc tout est venu de là. Et je me suis dit voilà, je vais faire un film qui racontera l'histoire d'un type d'un enfant qui aimait bien avoir les cheveux courts parce qu'il allait se faire couper les cheveux par une coiffeuse et que les premières émotions, les premiers vertiges un peu sensuels, les odeurs, tout ça, c'était un salon de coiffure. Et donc j'avais que ça pour partir. Et on est parti de là. Donc c'est un peu maigre, mais... Vous avez rajouté les scènes de danse de Jean Rochefort. Oui, c'était juste un peu des scènes de danse, et hop, voilà. Non, mais bien sûr, après, j'ai écrit le film, co-écrit le film avec Claude Clotte, qui signait parfois Patrick Covin, qui est un romancier que j'aimais beaucoup, qui n'est plus là maintenant. Et j'ai raconté les quelques bribes que j'avais d'ambiance de son coiffure, d'une espèce d'histoire d'amour idéal, bizarre, enfin pas bizarre, mais... un peu irréaliste quand même, mais il a tout de suite rebondi là-dessus, puis on a écrit le film, et puis et il y a eu surtout, ça c'est important, il y a eu un producteur qui s'appelait Thierry Degané, qui n'est plus là du non plus, que des morts, et Thierry Degané sur une trame aussi ténue, aussi fragile, aussi irrecevable d'une certaine manière, il a dit ok d'accord, je prends le film. Et il faut lui rendre hommage parce que franchement, le cinéma, en tout cas les producteurs sont devenus, on va pas tomber dans le c'était mieux avant, rassurez-vous, mais les producteurs sont devenus quand même plus frileux qu'ils n'ont été. Et je pense que j'ai eu la chance de pouvoir faire des films que je ne pourrais plus faire aujourd'hui. Aujourd'hui, de Marie la coiffeuse, puisqu'on en parle, je ne pourrais plus le faire, je suis sûr de ça. Parce que personne ne me dirait quoi, c'est quoi. Il épouse une coiffeuse, il est heureux, c'est quoi ces conneries? Enfin bon, bref, ça ne se fait plus. Ben, je m'en fous puisque je l'ai fait. Mais. Oui, il y avait un type suffisamment zinzin pour me dire ok, on fait le film. Juste un mot sur la musique de Michael Nyman. Michael Nyman, je l'avais rencontré sur Monsieur Hir. Parce que j'aimais beaucoup, j'adorais les partitions qu'il avait. Pas que la leçon de piano, bien sûr, mais tout ce qu'il avait composé pour Peter Greenaway.
Et je me disais, j'adorerais un jour ou l'autre travailler avec ce mec-là. Et ça aussi, ça a été une petite leçon de vie très simple. C'est que le producteur, Philippe Carcassonne, me dit, écoute, je peux me procurer l'adresse de Naïman, mais tu vois, il habite à Londres, qu'est-ce qu'on s'en fout, Londres, je vais aller lui proposer. Qu'est-ce qu'on risque ? C'est pour ça que c'est comme dans la vie. Qu'est-ce qu'on risque à proposer ce qu'on a envie de proposer ? Le risque, c'est que la personne à qui on a envie de proposer un truc dise « Non, je ne suis pas libre, ça ne m'intéresse pas. » Donc on risque un petit « non ». Et c'est tout. Et parfois, c'est « bah ouais ». Et Daïman, j'allais le trouver, je lui ai dit ce qui me trottait en tête, il m'a fait « oui, ça m'intéresse ». C'est pour ça qu'il a fait « monsieur ». Et puis après, il a fait parler de la coiffeuse. Et là, pour Maigret, pour tout vous raconter, j'avais envie que ce soit lui. J'avais envie qu'on se retrouve. Il habite maintenant à Milan. Il partage son temps entre Milan et Mexico. Sans blague. Et donc je contacte, je lui fais traduire ses paroles de Maigret. J'ai dit, Michael, je serais tellement heureux de te retrouver, ta. Il me dit oui, et puis on avance. C'est bien avant la réalisation du film, bien sûr. Je lui raconte quelle musique je voulais, quel genre. Je ne suis pas musicien, mais j'essaye de communiquer ce qui me trotte en tête. Bref. Et puis je sentais qu'il y allait un peu à reculons. Et puis sentant ça, je lui ai dit, parce que je sens les trucs, quand je sens que ça... Enfin bref. Et je lui ai dit, écoute, je ne suis pas sûr que... Est-ce que ça te soulagerait que je te dise que tu n'es pas obligé de faire la musique? Et il m'a répondu, ça me soulage. Parce qu'en fait... Il n'avait pas composé de musique pour un long métrage depuis 15 ans. Et ça lui flanquait la trouille de s'y remettre. Il disait, je ne vais pas savoir, etc. Je vais être décevant, etc. Et donc, je lui ai redonné sa liberté. C'était parfait, parce que pour Maigret, j'ai pu travailler avec Bruno Coulet, dont j'adore le travail depuis longtemps, et il a fait un travail exceptionnel. Et donc, Michael Neyman, c'était ça. C'était deux films, et puis, longtemps après... Non, tout compte fait. Alors, deux petits mots sur les choses qui fâchent, l'argent. Comment ça s'est passé dans votre vie, l'argent? Comment s'est passé dans ma vie, l'argent? L'argent, les finances des films. Comment vous avez... L'argent, c'est ce qui permet de faire des films ou pas de faire des films. Il y a eu pas mal de films qui sont tombés à l'eau, des projets qui sont tombés à l'eau pour y faire de l'argent. Et pourtant... Je fais pas des films exorbitants, enfin je suis loin du budget de certains films qui se tournent, mais non, c'est compliqué de réunir l'argent sur Maigret, par exemple. Enfin, j'en parle parce que c'est mon dernier film, mais sur Maigret, J'ai dit au producteur, je vais faire le film pour rien, quoi. J'ai fait le film pour rien. J'ai fait le film sans salaire, parce que j'ai demandé à Depardieu de couper son salaire en deux, et il m'a dit, mais bien sûr, j'adore ce projet, donc c'était de l'argent, il faut se casser le cul pour que ça marche. Mais mon raisonnement par rapport au fait que... Enfin, les producteurs, ils n'ont pas le droit de faire travailler un réalisateur à l'œil. Donc j'ai touché 21 000 euros pour faire le film et écrire le scénario, donc ça va. C'est modeste. Et mon raisonnement était le suivant, c'est que soit je demande un salaire correct par rapport à qui je suis. Ça veut rien dire et tout dire, mais bon. Et à ce moment-là, le film a des malchances de ne pas se faire. Donc si le film ne se fait pas, il n'y a pas de film et je touche rien. Si je demande 0 centime d'euro pour faire le film, je ne touche rien, mais au moins le film se fait. Donc c'est mieux. Et donc c'est ce que j'ai... Et c'est pour ça. Mais pour prolonger la question, est-ce que l'économie, le budget d'un film ou le montage d'un film, les contraintes financières d'un film vont déterminer la qualité d'un... Je remarque que certains réalisateurs font de meilleurs films avec moins d'argent, avec des budgets, avec des contraintes un peu plus fortes, et que parfois des budgets énormes écrasent. Les contraintes sont bien souvent le moteur de la création. C'est pas par masochisme que je dis ça, mais c'est vrai que
plus il y a de contraintes, plus c'est amusant, carrément marrant, de trouver des solutions, à contourner les contraintes et à faire avec. Là, sur Maigret, on m'a demandé pour que ça rentre dans un budget, on m'a demandé de faire des économies de dingue. Mais comme je connais bien, comme je sais ce que je fais et que je connais bien ce métier, je sais où je peux lâcher du lest sans abîmer le film. Et le film, à l'arrivée, il n'est pas du tout endommagé par... Qui est responsable de ça? Je veux des noms. C'est le fantôme de la boutique. David Lynch est derrière. Et donc, j'ai fait le film avec, en prenant des options, en coupant des trucs et des machins, mais ça n'a en rien abîmé le film. Et si j'avais tenu bon en disant non, ça aurait été ballon. Non, mais j'aime bien les contraintes. Si on me donne un chèque en blanc, je suis désemparé. Je suis désolé, je suis un peu beaucoup intervenu, mais cette question me semble très importante. Regardez le micro. C'est une question politique. Pendant la révolution féministe qu'on est en train de vivre et la question du male gaze, je voulais savoir comment est-ce que vous vous situez par rapport au male gaze dans vos films. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre parce que c'est une question qui est un peu complexe. Non, mais sincèrement, je ne me pose pas de questions et de ce genre. Mais parce que je ne me pose aucune question. Je fais uniquement... ce qui me trotte en tête. J'ai jamais fait de film engagé, tout ça. Je suis un rêveur. Je me rends pas très bien compte de ce que je fais, mais je suis un rêveur. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais je suis un rêveur qui fait confiance à ses rêveries. Et je me pose pas de questions du genre est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, est-ce que je peux faire ça. J'ai l'impression, du moins j'espère, être quelqu'un qui humainement n'est pas trop une merde. Non, sans blague, enfin, c'est pour ça que je vous disais c'est prétentieux, mais et en pensant ça, à tort ou à raison, mais c'est entre moi et moi, donc ça va, en pensant ça, je me pose aucune de ces questions qui seraient embarrassantes et qui pourraient m'empêcher de rêver. Mais, je ne sais pas si la réponse vous satisfait. Non, mais je prolonge peut-être la question de ta question, Zach. Plus loin. Plus loin. Non, mais est-ce qu'il y a des films... Donc il y a des films aujourd'hui qu'on a plus de mal à voir, des films, je sais pas moi, sans parler de male gaze, mais de, je sais pas moi, Autant n'emporte le vent par exemple. Il y a des films qui sont moins facilement regardables aujourd'hui qu'il y a, ne serait-ce que... Moins regardables, je ne sais pas, parce qu'on peut toujours les regarder, c'est pas interdit. Oui, non. Mais non, même pour Dan. Oui. Pour Dan, c'est quand même énorme. Mais pour Dan, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Donc on a le droit de les regarder. Mais on ne pourrait plus les faire. Oui, mais Podane est jubilatoire. Non, mais Podane, bon, c'est un exemple extravagant, mais c'est quand même singulier, quoi. Mais c'est vrai, alors, bon, pour mettre les pieds dans le plat, quand on est bronzé un, il pèse des filles sur un pèse personne, je sais pas quoi, qui dit « Putain, je suis tapé 2100 kilos de gonzesse dans... Ça passerait moins. Ça passerait moins, oui. Vachement moins. Oui. Ça reste drôle. Oh, ça reste poilant, mais c'est quand même un peu limite. Sur un autre plan, vous êtes un cinéaste très visuel, mais aussi avec une dimension très littéraire. Je pense que vous avez un goût très prononcé pour le dialogue. J'aimerais bien savoir ce que vous pouviez nous en dire. Alors, quand je voyage beaucoup de par le monde, ce qui me revient à propos du cinéma français, c'est un cinéma qui est souvent très estimé à l'étranger, c'est pas la question, mais qui est jugé comme étant un cinéma très bavard. Trop bavard, je sais pas, mais très bavard. Mais je pense que c'est la descendance et la tradition de Molière, Audiard, Blier, voilà, etc. Et qui nous arrive à nous. Ça rassure les producteurs, je crois, d'avoir un scénario entre les mains, qui soit un scénario un peu bavard, parce qu'au moins ils lisent des dialogues. Et que des scènes sans dialogue, de silence, de regard, et tout ça, sont très compliquées à écrire. Et avec ces scènes-là, c'est compliqué de convaincre des producteurs. Donc, on aligne assez facilement des dialogues.
avec la difficulté que ça représente et qui, moi, me fout des insomnies de dingue, c'est que, par définition, dans un film, mettons qu'il y ait 10 personnages différents, ou 3 essentiels, enfin, peu importe, c'est la même personne qui dialogue ces gens-là. Et donc, sans le faire exprès, il n'y a qu'à voir les films d'Audiard, par exemple. Mais dans les films d'Audiard, tous les personnages parlent Audiard. Vraiment. Et c'est très difficile parce que dans la vie, vous, moi, nous, personne ne parle pareil. On a chacun nos expressions, nos types de langage et tout ça. Et d'arriver à dialoguer, à faire dialoguer, à écrire le dialogue de tous les personnages d'un film, et que ça ne se ressemble pas, qu'il n'y ait pas une marque de fabrique, un phrasé personnel et tout ça, c'est très compliqué. Et moi, je me prends le chou tout le temps et j'y arrive pas. D'ailleurs, je me prends le chou avec les dialogues des films que j'adore écrire, mais dont je me dis, il ne faut pas que ça me ressemble, il ne faut pas que tout ressemble. Et c'est compliqué. Mais votre film Tango, d'ailleurs, est assez... Bah... Je ne sais pas si c'est un hommage à Blier, mais on sent qu'il y a un amour fou pour le cinéma de Blier, pour les Buffets froids, pour tous ces films-là. Et j'assume. Voilà. C'est, d'ailleurs, c'est drôle de revoir ce film et de se dire, mais voilà, au niveau de l'écriture des dialogues, mais vous essayez de faire du Blier, mais en écrivant le conte quand même. Quoi. Oui, c'est possible. Mais c'est vrai que Tango, qui a été très mal pris à la sortie et qui maintenant est un peu réhabilité, à la sortie, c'est passé, en plus, avec le parfum Blier, c'est passé comme étant c'est reçu comme étant un film furieusement misogyne. Oui, alors que moi, je voulais me foutre de la gueule de nous, les hommes, dans leur comportement tellement maladroit vis-à-vis des femmes. Bref, peu importe. Et c'est vrai qu'à cette époque, enfin, puis ça a duré, mais j'avais une admiration folle pour oublier, pour la liberté de son écriture, des situations, des trucs. Je me suis dit, mais comment il fait pour écrire comme ça? Il a trop de chance. Et donc, je n'ai pas essayé de faire d'oublier, parce que ce serait vraiment nul, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un parfum, il y a un coup de diapason. Il y a une influence. C'était sous influence, c'est un film sous influence. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre collaboration avec Jean-Paul Belmondo? Oui, bien sûr, vous laissez encore. En fait, moi, j'ai un amour infini pour ce comédien et j'ai l'impression que c'est un comédien qui faisait partie un peu de notre famille à tous, qui parlait à toutes les générations. Et je voulais savoir comment s'est passé avec lui sur le tournage, si vous avez des anecdotes. Jean-Paul Belmondo, c'est pas compliqué. Déjà. À l'ouverture, vous dire que ce n'était pas une idée à moi, c'est Christian Fechner avec un producteur que j'adorais, encore un mot. C'est gay. C'est lui qui a été l'instigateur de ce film, Delon, Belmondo, et c'est moi qui ai rajouté Vanessa Paradis pour qu'il y ait un petit peu de truc acidulé entre ces deux vieux crabes charmants. Et Belmondo, il a été. Il est, d'une certaine manière, il a fait comme un vœu avec lui-même d'être sympathique avec tout le monde. Non mais ça se sent, ça se voit. Alors, et je ne suis jamais arrivé à atteindre certaines zones d'ombre qu'il doit avoir, certains tourments, certains. Bon, on n'est pas monochrome, évidemment, je ne suis jamais arrivé. Avec Delon, je suis arrivé. Avec Delon? Avec Delon, oui. Oui. Avec Delon, je suis arrivé à défricher un peu. Enfin, il a été très confiant, en confiance. Il m'a raconté des tas de trucs sur lui, sur le mal de vie qu'il avait. Mais Belmondo, quand on le caricature dans Tac-Tac Badaboum, c'est vrai qu'il a ce côté-là. Quoi. Il a ce côté grand frère, tellement rigolo, quoi, tellement à l'aise, quoi qu'il arrive. On a l'impression que c'est une sorte de politesse comme ça de ne pas partager ses états d'âme avec voilà, la politesse. On se doit d'être. Voilà, il n'a jamais voulu faire chier personne avec ses tourments. Ouais, c'est très bien, hein, c'est parfait aussi. Il faut en être capable. Quoi. Mais alors, anecdote, un jour sur ce film, on tournait sur les hauteurs de Nice, du côté de Grasse, bref, dans un tout petit village où j'avais repéré un truc. Bref. Donc il y avait un monde fou, parce qu'un tournage qui arrive dans un tout petit village, ça met le petit village en émoi, évidemment.
Et j'étais en train de préparer le plan qu'on devait faire, et puis les caravanes, les carloges étaient un peu plus haut, en haut d'un petit raidillon, et je dis à mon assistant, tu peux les faire, les appeler parce qu'on est prêt. Et la première à descendre, c'était Vanessa. J'ai souvent pensé que les propriétaires de chiens se déterminaient avec leurs chiens. C'est vrai. Walt Disney aussi. Un type qui a un caniche, c'est pas le même qu'un type qui a un Doberman, franchement. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez des chiens. Et donc, Vanessa descend, elle avait un Labrador. Et le Labrador, c'est un chien sympa, quoi, hein, franchement. Et elle est épatante. Et donc les gens disent « Oh, Vanessa, Vanessa !» Elle envoie des petits baisers, et puis ça se passe. Après, alors que j'étais là, « Oh, Bébel, Bébel, Bébel !» Alors il descend, lui, avec son espèce de meupette dans les bras. Il y avait une espèce de chien grand comme ça. C'est affreux, quoi. C'est un truc navrant, quoi. Et avant les prises, j'ai dit « Jean-Paul, c'est à toi. » Il confiait son chien à son maquilleur, il allait jouer, il a promis son chien. Et tout le monde était là, enfin les spectateurs du tournage qui étaient derrière des barrières, qui étaient. Oh, bébé, bébé, bébé. Alors il dit bonjour à tout le monde. Et puis après, d'un seul coup, il y a eu un silence de mort. On aurait entendu une mouche voler, vraiment. Et j'ai pas besoin de retourner. C'était juste Delon qui descendait le même petit réveillon, un petit peu comme si le proviseur arrivait dans une classe. Et les gens, ils n'avaient pas envie de moufter. Ils se sont dit, si on fait du bruit, on va se faire voler. Et lui, alors, il avait un chien, c'est un chien, mais moi, j'y connais rien en chien, j'aime pas beaucoup les chiens, mais c'était un chien qui avait, c'est un malinois. Ah oui, ah oui. Ça fout un peu. On se dit, heureusement qu'il a la laisse, parce que si... Et c'était très marrant parce que elle, sympa, lui, super sympa, le Belmondo, super sympa, et le proviseur arrive. Moi, j'aimais beaucoup Delon, je me suis très bien entendu avec lui, mais c'est vrai qu'il induit une espèce de pas de terreur, faut pas déconner, bon, mais il induit un truc assez glaçant. Et il en souffre énormément. Ben oui, voilà, surtout. Il en souffre énormément. Je me suis dit, mais enfin, mais t'en souffres, mais attends, c'est ta faute, ça m'échappe. Il me dit, j'adorerais être sympa. C'est drôle parce que il m'a fait penser à Loiret qui disait, j'aimerais bien être aussi fou que Marielle et que Jean et Jean-Pierre. Et Delon, il m'a dit, j'aimerais bien être aussi sympathique que Jean-Paul. Non, mais ce qui est, c'est que Delon, je pense qu'il doit être aussi dans le regret. Il a eu tous des réalisateurs incroyables très tôt, très jeune. Il a fait les plus grands films très tôt. Et après, il y a eu un moment où il a fait les films qu'il a fait. Quoi. Et où il s'est dit, le passé, je sais pas, à se retourner sur le passé, à être très nostalgique. Ce qu'il y a, c'est que j'avais un projet avec lui qui ne s'est pas fait. Enfin, bref, peu importe, il n'y a pas très très longtemps. Et donc, j'ai beaucoup refréquenté à ce moment-là. Et il est dans une nostalgie. Mais, oui, c'est ça. Mais ça se sent. Je ne dis pas que c'est malsain, mais c'est effrayant d'être à ce point dans la nostalgie. C'est qu'il n'est même pas dans le présent, dans l'avenir, n'en parlons pas. Mais il n'est que dans le passé. Oui. Alors, juste, ça fait plus d'une heure qu'on part. On peut continuer, hein, Patrice, mais on peut aussi. Moi, j'ai un train à 2h du matin, monsieur. Non, mais ce qu'il y a, c'est que je vous avais fait choisir un extrait de film. Alors, je ne sais pas si vous avez identifié le film qu'on est en train de passer, qui passe en plus. Voilà, c'est La Soif du Mal. Et donc, vous aviez choisi la scène d'ouverture. Vous voulez en parler, peut-être en dire un mot. Non, c'est parce que dans cette scène d'ouverture, il y a un truc inouï que moi, je n'ai jamais pratiqué dans aucun de mes films, c'est ce qu'on appelle le plan-séquence. Et il y a des plans-séquences étourdissants dans plein de films, et je peux vous en citer plein. Et La Soif du Mal, c'est un début de film incroyable, quoi, parce que tout est dit dans un seul plan. C'est virtuose, mais sans ramener sa fraise, c'est brillant. Alors évidemment, c'est un peu dommage de passer ça avec toutes les lumières allumées, parce qu'on voit rien, mais sinon, c'est pas... On le passe Ben, c'est en train de passer. Non, mais je recale au début, on passe et juste... On éteint, bien sûr. Parfait. Si on éteint, ça va. Ça commence là, c'est incroyable. Combien de temps ça dure, je sais pas.
What? Philadelphia. My name is Vargas. Hey, Jim. You see who's here? Sure, Mr. Vargas. On the trail of another dope ring? On the trail of a truck with soda for my wife. Your wife? Yeah, you buy them. Oh, hey, can I get through? A lot of talk up here about how you cracked that Grandy business. Yeah, I hear you fought the big boss. Only one of them. The Grandys are a big family. Good night. No bridges, Mr. Lager. Hey, I got this... You're American citizen, miss. I got this ticking noise. Yeah, okay. No, really. Good night. It's going to my head. Why do you realize this is the very first time we've been together in my country? Do you realize I haven't kissed you for over an hour? Non mais c'est inouï ce plan, parce que ce qu'il y a, c'est que dans les plans séquences, on peut dire ouais c'est juste virtuose et tout ça, mais je pense que ça a une fonction plus précise que ça. C'est-à-dire que même les gens qui sont pas du bâtiment et qui ne se rendent pas compte que c'est tourné en un seul plan, ressentent ce que ça communique, cette espèce de temps réel. Et en plus, là, le plan en question, il commence par ce très gros plan insert sur une bombe à retardement qu'on met dans un coffre. Et donc, tout le plan séquence est tendu avec l'idée de quand est-ce que ça va péter. Et c'est vraiment brillant, quoi. Je suis sûr qu'on... C'est exactement. C'est comme dans 1917, qui est un film que j'adore par-dessus tout. Sam Mendes. Et dans 1917, ils ont beaucoup mis l'accent sur le fait que c'est tourné en un seul plan. Enfin, pas en un seul. D'accord. Non, mais il y a cette tension. Mais enfin, quand même, malgré tout. Et avec des moyens de tournage plus modernes qui permettent de faire de l'animation. Mais malgré tout, c'est brillantissime. Et il ne s'agit pas d'aimer le film parce que c'est tourné en un seul plan, ou d'aimer le début parce que c'est tourné. Mais il s'agit simplement d'aimer le film parce que ce tournage en temps réel communique vraiment une émotion, une urgence, un truc que le découpage n'offre pas. Vraiment, je pense que c'est un truc que même les gens qui ne sont pas super cinéphiles ressentent, j'en suis certain. Et vous en avez usé, abusé? Non, jamais. Parce que par timidité, je pense. Je n'ai jamais osé me frotter encore à ça. Encore la timidité. Ben, ça existe, oui. On va peut-être faire une dernière question. On ne va pas vous donner l'occasion de poser une dernière question. Je voulais revenir sur votre enfance. Oh putain. Non. Est-ce que vous avez parlé du premier film en dehors des dessins animés, mais le premier film, est-ce que vous avez cru à ce moment-là que le cinéma c'était la réalité quand vous avez vu le film? Est-ce que ça vous est arrivé? Non, j'ai jamais pensé que le cinéma était la réalité. J'ai vu des films de la nouvelle vague. Je me souviens par exemple de Adieu Philippines de Jacques Rosier, et où je trouvais que ça ressemblait à la vraie vie. Mais malgré tout, ce qui m'a toujours... Et j'aime beaucoup ce film, par exemple, et d'autres, bien sûr. Mais j'ai toujours imaginé que le cinéma était fait pour nous emmener ailleurs. Donc il y a certains films qui ressemblent à la vraie vie. Je ne parle pas que du cinéma vérité, bien sûr, mais le cinéma qui m'enchante, même si j'aime les films réalistes, que ce soit Jacques Rosier, Jacques Romer, enfin bon, bref, Éric Romer, Jacques Romer, beau garçon. Mais malgré tout, c'est les films qui m'emmènent ailleurs qui me plaisent le plus. Alors, on s'arrête là, juste pour vous dire que j'ai mis les films que nous avons, donc, qui ressortent en version restaurée, donc grâce à Rimini Édition, Marie de la Coiffeuse, Le Parfum d'Yvonne, Les Grands Ducs. C'est marrant, Les Grands Ducs. Non, c'est pas si bien. C'est très drôle. Les Grands Ducs, c'est marrant parce que le film n'a pas eu un succès faramineux. Euphémisme. Et aujourd'hui, les gens que je rencontre qui aiment Les Grands Ducs, ils l'aiment énormément. Je ne dis pas qu'il y a un fan club des Grands Ducs, mais les gens qui aiment Les Grands Ducs n'aiment pas un clodo de cuillère.
et puis qui était sorti il y a deux ans de ça chez Pathé, donc Monsieur Hir, Tango et Tandem. Donc je mets tous ces films sur la grande table où on va se retrouver pour, si vous voulez bien, dédicacer vos dégâts. À Patrice toute une liste de DVD dans la boutique, donc ils sont aussi sur la grande table, donc ça vous montre à peu près l'éclectisme de Patrice. C'est ce que vous avez choisi. C'est ma petite... Oui, voilà, votre sélection. Merci beaucoup, merci à tous. Merci.